Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tout simplement parler étriers de frein, car aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de changer mes étriers sur mon Dengfu FM098. Vous allez me dire, mais pourquoi tu changes tes étriers de frein? Tout simplement car depuis que j'ai acheté mes roues Aikan, j'avais un sérieux problème au niveau de l'écartement maximum de mon étrier. J'étais vraiment au maximum de ce que je pouvais faire avec mes FSA Gossamer Pro et malheureusement, c'était pas encore suffisant et j'avais pas assez de jeu pour tout simplement pouvoir écarter plus et avoir vraiment un confort de freinage le plus parfait possible. C'est pourquoi j'ai essayé de trouver des étriers qui me permettaient d'avoir un écartement plus important. Et après l'essai du fameux Origin Axum 350 qui était équipé lui aussi de ces fameux étriers Shimano Ultegra, j'ai vu que le réglage était beaucoup plus important et que je pouvais vraiment avoir un écartement plus grand et vraiment pouvoir profiter tout simplement d'un réglage optimal. C'est pourquoi j'ai décidé d'acheter cette paire d'étriers Ultegra pour pouvoir les remplacer. Allez, on fait un petit tour des caractéristiques de ces étriers Shimano Ultegra et on se retrouve juste après. Accusant 336 grammes sur la balance, les étriers Shimano Ultegra 6800 profitent des mêmes technologies disponibles sur le très haut de gamme du Race. Étrier double pivot avant et arrière pour une meilleure efficacité de freinage. Plus compact, il offre une meilleure trace aérodynamique, permet de passer des roues et des pneus jusqu'à 28 mm de large. Autant dire, j'ai un peu de marge, c'est parfait. J'ai aussi décidé de changer mes patins de frein. Pourquoi? Tout simplement car en ce moment j'avais des patins livrés avec les jantes Aikan, des patins de pas vraiment bonne qualité je trouve. Ça avait tendance à glacer la surface de freinage de mes roues carbone, ce qui n'est vraiment pas top car on perd après en puissance de freinage. C'est pourquoi j'ai cherché une solution pour avoir des patins plus performants. Je suis sûr que vous avez vous aussi votre idée sur le type de patin utilisé pour les jantes carbone. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi, j'ai décidé de m'adresser à Benjamin, qui est tout simplement le propriétaire de la marque Basalt Well, qu'on avait pu tester sur la chaîne Normandie Cycling. Et lui, il m'a tout simplement dit qu'il avait l'habitude de tester et d'utiliser les BBB Carbostop. C'est pourquoi j'ai décidé sur ses conseils d'acheter un jeu de patins de frein BBB Carbostop, donc vraiment consacré spécialement au carbone. Leur spécificité, c'est tout simplement de garantir un freinage plus puissant, 30% plus puissant, c'est marqué juste en haut, et surtout, ça n'a aucun résidu sur la jante, ça va ne faire aucun résidu, ça ne va pas entamer la jante, et ça va vraiment avoir un usage beaucoup plus progressif, et bien sûr, surtout, avoir un meilleur freinage. Allez, étrier en main et nouveau patin, on va passer à l'installation. Je vais vous faire une petite vidéo accélérée de l'installation de ces nouveaux étriers. Vous allez voir, c'est ultra simple, tout le monde peut le faire. Allez, et après 15 minutes à monter ces nouveaux étriers de frein sur mon vélo, c'est fini. Je peux enfin pouvoir rouler avec des étriers qui sont plus performants et surtout qui sont plus larges et qui vont me permettre vraiment de profiter de mes roues à 100%. À savoir que je ferai un retour sur ces étriers, bien sûr, mais surtout, je ferai un retour sur les patins de frein Carbostop que j'ai installés ici, les BBB. La petite astuce pour vraiment avoir un gain de freinage et le meilleur freinage possible. Sur une jante carbone, placez le patin le plus bas possible sur la bande de freinage de votre jante. C'est là où il y a le plus de matière, donc c'est là où votre jante va être la plus solide et va amener un meilleur freinage.
Et surtout, essayez de les placer tout simplement dans cette position sur la roue. Donc légèrement rentrer à l'intérieur et sur l'extérieur, vous les décalez un tout petit peu pour gagner en progressivité et moins attaquer la jante. Et surtout, vous verrez que vous éliminerez le bruit qu'il peut y avoir des fois à freinage sur jante carbone. Bref, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous pensez de ces nouveaux étriers de frein sur mon vélo. Moi je trouve franchement qu'ils ne donnent pas du tout avec la couleur de mon vélo. C'est plutôt joli, j'ai vraiment hâte de pouvoir les tester. On se retrouve très vite sur la route ou pour un nouveau test sur mon Dengfu ou sur un autre vélo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao! Vous avez peut-être remarqué dans cette vidéo un nouveau t-shirt que j'arbore, ce petit t-shirt blanc de la marque Petit Vélo, enfin Petit Vélo exactement. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez aller voir. Ils ont vraiment une collection de t-shirts vraiment pas chers, liés totalement au vélo. Ils ont des suites, des t-shirts. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site et dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous dis à très vite. Ciao !